Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Écoutez, ça va être une vidéo très très court. Je voulais vous donner des nouvelles concernant le suivi pour Diamond Art Club, leur nouvelle politique de prix. Je leur ai envoyé aujourd'hui un lien avec mon vidéo, puis qu'est-ce que je pensais. Et ils m'ont répondu qu'étant donné que nous n'étions pas d'accord, qu'ils allaient fermer mon compte. Bon, étant donné que j'avais dit déjà à mon vidéo que je n'achèterais plus chez eux s'ils maintenaient cette politique de prix-là, ben ça me fait pas beaucoup de différence. Je trouvais que c'était, quand ils nous disent « free shipping, expédition gratuite », puis s'ils incluent déjà l'expédition dans le prix, je trouve que c'est rire du monde. Alors, vous allez remarquer sur ma chaîne que je viens d'enlever toutes les vidéos de déballage de Diamond Painting de chez Diamond Art Club. Les seules choses qui vont, les seules fois où vous allez m'entendre parler de Diamond Art Club, c'est mes suivis mensuels, parce que c'est sûr que je ne jetterai pas les toiles que j'ai commencées, puis où que j'ai. Alors, je vais continuer à travailler dessus, puis vous allez voir le suivi. Mais, puis je faisais aussi une comparaison entre Diamond Art Club, puis Unique Use Down Under pour Spirit of Light. Ben, vous ne les verrez plus ça non plus. C'est sûr que je ne mousserai pas les ventes de Diamond Art Club. Je suis en bon québécois, en beau maudit, OK? Ça fait que c'est ça. C'est la façon qu'ils traitent leurs clients. Ça fait que bravo. Ça fait que... Alors, je voulais juste vous avertir. Fait que faites pas le saut, vous ne verrez plus d'unboxing. J'avais encore, je pense, 8 ou 9 unboxings d'enregistrer puis qui étaient prêts à être, qui étaient programmés. Je les ai tout enlevés. J'ai tout enlevé ceux que j'avais déjà mis en ligne. J'ai des toiles actuellement qu'il aurait fallu que je fasse filmer les unboxings. Mais je vais les ouvrir tout simplement puis il n'y aura plus d'unboxing. C'est pas vrai que je vais faire de la publicité pour Diamond Art Club, de la façon qu'ils traitent leurs clients. Ça fait que c'est dommage pour tout l'argent que j'ai mis là. Bon, de toute façon, les toiles que j'ai, je les aime toujours. Elles sont toujours très belles. Puis comme je dis, il n'y a rien qui est enlevé au niveau de ma pensée de la qualité de Diamond Art Club. Sauf que je trouve qu'ils agissent très cavalièrement vis-à-vis de leurs clients. Alors, ça fait que c'était un petit suivi. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires, suggestions sont toujours bienvenus. Je vous dis à la prochaine. Bye!